Et l'aérodrome de Mulhouse-Apsheim a célébré ce week-end, quant à lui, son centenaire. Après une exposition d'avions et des baptêmes de l'air, les visiteurs ont pu assister aujourd'hui à des démonstrations en vol avec en clou du spectacle les appareils tricolores de la patrouille de France. Stéphane Gaudry, Nicolas Meyer. 1909-2009, déjà 100 ans que les premiers avions prenaient leur envol au-dessus de Mulhouse. L'un des premiers aérodromes de la planète. À l'époque, on volait dans ce genre d'engin, un exercice difficile qui nécessitait des conditions météo optimales. C'est difficile à voler, il faut l'apprendre. C'est pas, il ne vole pas comme un avion normal, mais quand, parce qu'il est très lent. Les avions volent à 180 km/h aujourd'hui, alors que cet avion avec 60 chevaux, il vole à 80 ou 85 km/h. Donc il a beaucoup de traînée. Dès que la puissance manque, l'avion ne vole plus. L'avion descend très rapidement. Entre-temps, l'histoire de l'aviation a donné naissance à de nombreux modèles et les engins qui se disputent le ciel sont beaucoup plus nombreux. Mais aucun ne vient discuter le cœur des spectateurs à la patrouille de France. Il y a le Mustang, qui m'a vraiment, c'est un avion passionnant. Bon, l'Antonov aussi m'a impressionné. Donc même si c'est un avion qui est lent, mais bon, c'est quand même, c'est joli à voir. Et puis bon, les acrobaties aériennes, j'ai mon chapeau là pour ces pilotes. On a passé un grand moment là sur le week-end et la météo en plus, elle était vraiment super quoi. Et on attend la cerise sur le gâteau maintenant, la patrouille de France. Car les 8 Alpha Jets sont la véritable attraction de la journée. Absente depuis plus de 35 ans du ciel mulhousien, la patrouille a drainé à l'aérodrome plus de 20 000 amoureux, célébrant en beauté cet anniversaire. Pour nous, les organisateurs, une journée bonheur. La météo a tenu et puis donc ce qu'on avait souhaité, pouvoir présenter cette patrouille de France au public à Mulhouse. Et j'ai dit, on l'a eu, elle nous a fait une démonstration magnifique, donc que du bonheur. Et même le ciel, menaçant depuis le début de la journée, a attendu la fin de cet événement pour mettre un terme un peu prématuré à cette grande fête.